La gestion de patrimoine, c'est une matière qui a ceci de particulier, qu'elle est protéiforme et qu'elle fait appel à plein d'autres matières, comme le droit civil, le droit fiscal, le droit social. Et ce sont des matières qui sont en constante évolution, si bien que la difficulté première pour un professionnel de la gestion de patrimoine, c'est d'être à jour. Et l'objectif premier de nos formations, c'est justement de leur proposer sur 4 jours de passer en revue toute l'actualité importante de l'année, de sorte qu'ils repartent avec un bagage technique totalement à jour. Ben, on vient chercher avant tout du contenu, mettre à jour toutes les connaissances techniques qui sont primordiales dans notre métier. Et puis on vient à Clermont parce que c'est l'origine, c'est là que tout commence. Je suis un fidèle puisque j'ai passé mon diplôme en 2002 et depuis cette date, je suis tous les ans au séminaire d'actualisation des connaissances. Ça permet de faire une mise au point sur la jurisprudence, sur des pratiques qu'on n'a peut-être pas forcément, donc c'est très enrichissant. Il y a une actualisation qui est faite par des intervenants de très haut niveau, de grandes compétences. L'avantage aussi, et ça là-dessus je fais confiance à l'OREP, c'est de me mettre en lumière les sujets d'actualité essentiels que je ne dois pas louper cette année. C'est probablement la meilleure formation que nous ayons en France sur ce domaine. Alors pour deux raisons. La première, c'est que la formation qui est donnée est extrêmement pratique et que l'on donne en même temps toutes les informations nécessaires à l'exercice de notre activité. Et la deuxième chose, c'est que cette formation est extrêmement précise sur le plan juridique. Et donc, elle ne fait pas l'impasse sur les fondements et les bases légales de toutes les solutions qui sont proposées et des risques de certaines solutions. Le second objectif, c'est de toujours avoir un enseignement fait au regard de la pratique professionnelle, donc il se veut très opérationnel. C'est la raison pour laquelle on fait intervenir des formateurs de qualité qui ont une expérience terrain très forte et qui peuvent donner à chacun des participants une sorte de boîte à outils qui sera immédiatement utilisable dès leur départ du séminaire. C'est un organisme qui a une grande réputation sur le plan du patrimoine et notamment sur les aspects fiscaux. L'idée, c'est d'essayer de passionner quelque peu cet auditoire sur des sujets qu'ils connaissent sans doute, mais sur lesquels on va apporter quelques approfondissements. Et là, on a une loi qui sort au mois de mars, normalement, qui va encore modifier ces dispositifs. Et donc, il faut les bien connaître pour, notamment dans la gestion patrimoniale, avoir les bons réflexes et éviter les erreurs à commettre et suivre les bonnes procédures pour valider une gestion de qualité. Je ne peux pas être objectif quand on parle de l'OREP, tellement donc cette organisation fait preuve et fait montre d'excellence dans tout le domaine, encore une fois, du chiffre, de la finance et du droit. Il y a un fil conducteur, on retrouve les enseignants, on retrouve cette patte OREP qui est à la fois technique et très pratique. Je crois qu'il n'y a pas une fois où je n'ai pas eu utilité des choses que j'avais apprises lors de ces séminaires. On a la chance d'avoir une communauté aujourd'hui de 8000 professionnels qui nous ont fait confiance dans les formations. Et ce qui ressort essentiellement dans leur discours, c'est qu'ils repartent avec un savoir technique très important. Mais surtout, ils ont le sentiment d'une sorte d'appartenance à une famille OREP. Et je crois que ça tient essentiellement à l'état d'esprit qui préside à nos formations. Le mot d'ordre est assez simple et il m'a été enseigné au tout départ par Jean Aulagnier. C'est l'apprentissage dans le partage, l'apprentissage dans la bienveillance et surtout l'apprentissage dans la bonne humeur. Ce qui est bien l'OREP, c'est qu'on est à la fois dans l'expertise, donc la théorie, le pragmatisme, à savoir la proximité avec les clients, et je dirais aussi une qualité assez importante dans le monde moderne, à savoir ne pas trop se prendre la tête. Il faut rester toujours très humble quand on échange avec un public de cette qualité. On fait notre maximum. Le but, voilà, c'est d'essayer d'enrichir ceux qui viennent. Le plaisir de voir certains revenir contribue beaucoup justement à ce qu'on soit un peu rassuré sur la qualité de ce qu'on peut faire. On est un peu fiers de cette formation et on la défend, aussi bien à Marseille qu'ailleurs, mais il y a une vraie différenciation par rapport à cela, oui. L'OREP en 3 mots, dynamisme, disponibilité et bienveillance. Compétence, confraternité et surtout en dernier et le plus important, amitié. Professionnalisme, efficacité et une grande famille. Famille, expertise, troisième mot, plaisir. Voilà, plaisir.